il y avait cette autre langue qu'elle ne nommait jamais, qui n'était jamais nommée, et qu'elle parlait au téléphone avec certaines personnes de la famille. Et moi, j'écoutais aux portes, curieuse. En casa, siempre se habló jaquetía. La jaquetía, la lengua judo-española del norte de Marruecos. En arrivant en Algérie, je me suis aperçu qu'en définitive, nous parlions une langue tout à fait singulière, qui était le judéo-libyen, qui est une variante de judéo-arabe, mais qui contenait beaucoup de mots qui n'étaient pas arabes. À l'époque, on disait l'arabe, ou les musulmans disaient l'arabe des juifs. Voilà. Et les juifs avaient l'habitude de dire notre arabe, l'arabia dielna, notre arabe. C'est une variété d'arabe, et qu'on écrit avec des lettres hébraïques. חלק מהמילים הבנתי בקלות, וחלק מהמילים הפכו להיות משהו שדומה לקמיה. סורלי. כאשר קורדם. נענה תדוש נדורי.